Haïtiens tout partout dans quatre mondes là, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Chanel pour là. Chanel qui toujours pour tes bonnes nouvelles pour vous, bonnes informations, sans fausse côté, sans vous remonter. Mais qui en pile dossier qui a fait actualité dans la coup pays d'Haïti là, eh bien, la police fait qu'on est, il prend contrôle sous commissariat Portail Saint-Joseph après bandit t'es fin attaqué ni commissariat Portail Saint-Joseph. Joseph là, ensemble avec le commissariat qui est dans la Cité Soleil là. La police pour qu'on a récupéré ça dans la Cité Soleil là, mais il a récupéré ça sous commissariat Portail Saint-Joseph là. L'autre information n'a bien pour porter pour là, eh bien la police nationale d'Haïti a fêté 26 l'année li, eh bien qui bilan la police pendant 26 l'année ça yo. Eh bien, gain kit distribution l'église de Dieu la vérité et bien qui chita kon nan Matisan qui t'a le poté pour moun nan Matisan qui trouvait ko en dedans et bien centre sportif Carrefour ensemble avec quelques autres qui yo même sous place Fontamara yon l'autre grand tête nan pays a perdu la ville et bien c'est directeur administratif Ona Jean-Richard Pira lui-même qui mouri et ou fait connait il était testé positif à Kona virus là, et bien c'est toute information ça avec un pilote qu'on a pour porter pour vous ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, n'a nous fait ça kounya là. Comme ça, on peut pas dire même yon yota nan série information n'a bien pour porter pour vous. Et bien je te annoncé ça en titre, eh bien la police nationale d'Haïti eux-mêmes yo annoncé qu'ils yo reprennent contrôle sous commissariat Portail Saint-Joseph pendant une opération eh bien qui a été menée dans zone là. Eh bien nous connaissons sous commissariat Portail Saint-Joseph là lui-même était envahi par bandi jour qui était 6 juin 2021 côté plus passé trois policiers étaient perdu la vie dans attaque là et bandi yo attaquer policier yo yo te touyer policier yo et yo te même mettre dife sous policier yo et depuis après attaque si là plusieurs malfrats qui nan gang craché dife et bien c'est yo même qui t'a protégé tête yo contre l'autre groupe gang qui on a guerre avec yo en dedans sous commissariat et bien Portail Saint-Joseph si là. Et c'est pas seulement sous commissariat Portail Saint-Joseph là, et bien, bandi ont été attaqués, ils ont attaqué antenne qui nan douya, commissariat qui en dans Cité Soleil, et bien, dans le week-end 5 avec 6 juin 2021, et bien, bandi ont même, ils ont pas, et bien, fait la pluie et les beaux temps sous la police nationale d'Haïti. Et bien, la police eux-mêmes yo récupéré sous commissariat Portail Saint-Joseph là, yo mette bandi yo dehors et bien kounya la police rete kounya pour li aller récupérer bien commissariat qui en dans Cité Soleil là et puis antenne douya pour capable et puis mettez policier en confiance pour capable aller travailler ni en dans sous commissariat Portail Saint-Joseph là ensemble avec et bien commissariat en dans Cité Soleil là sinon et bien pas de policier qui va décider à travailler dans la juridiction ça puisque vous connaissez à n'importe quel moment bandit qui a attaqué et y a sorti victime dans attaque si là. Eh bien parlant de la police, eh bien la police même cap la police nationale d'Haïti même cap fêté 26 l'année li et nous connaît la police là lui-même il était créé jour qui était 12 juin 1995 là. Et bien, loi portant sous création de la police a été sorti dans le moniteur numéro 103, et bien, loi 29 novembre 1994, qui t'a parlé de attribution la police nationale d'Haïti, qui bilan la police, et bien, pendant 26 ans, ça y est. Et bien, la police a, nous connaissons, une époque, il était à 8500 policiers. Et il était passé avec 12 000 et dernier bilan, nous pouvons connaître combien et bien effectif là y est. Bien, la police a dernier jour ça, sont la police qui politisé, sont la police qui toujours et bien a fait a bat bas devant bandit dans la République, puisque gros chef, gros chabrat dans la coupe d'Haïti.
yo même yo plus besoin bandi bon côté yo et bien au lieu yo besoin policier et bien yon nan pi gros honte la police prend et bien c'est les et bien au boycottage opération qui était menée en dans village de Dieu à côté plusieurs policiers dans unité SWAT avec boy yo même nan te perdi la vie yo devant bandi yo et yo te même arrivé raché yo mette di fè sou yo. Et le pire dans tout ça, c'est que grand chef ou bien haut commandement, la police a lui-même, pat al deye, corps policier sa yo. Mais la police a tout li pote en pile bon résultat tout dans la coupe pays d'Haïti, côté gen pile malfra, yo mette en bas code, ça, yo mette voyo al dormi dans grand cimetière. Eh bien, la police a lui-même, li travaille pour population, mais li te ka fait plus que ça toujours. Eh bien, ça que fait le bac a fait plus que ça, eh bien, c'est parce que vous politisez la police, a manqué effectif dans la police a, et autorité ou pas mettre policiers ou même en confiance. Puisque, dernière nouvelle qui tombe là, eh bien, côté plus passé 20 policiers, tapent aller dans une formation et arrivé aux États-Unis, côté où tu as fait transit là, eh bien, vous arrivez sauvé. Ça fait ça arriver, eh bien, c'est situation, eh bien, policiers ou même, y'a vivre dans la coupe pays d'Haïti, puisque vous connaissez rien pas garanti. Si vous arrivez à mourir, eh bien, chèque vous, que famille vous, madame vous, ou bien, maman vous, t'as supposé toucher, c'est en bas misère, vous pouvez toucher chèque si là, et vous pouvez avoir un grand mois seulement, vous ne pas joindre l'autre mois. Eh bien, président républicain lui-même, qui lui-même avec tout ministre, c'est ministre, eh bien, justice et sécurité publique, la Rockefeller Vincent, eh bien, vous êtes dans la cérémonie, ça, vous avez encouragé la police lui-même pour lui faire seul avec la population, pour lui capable bien travailler. Et puis, à demander aux policiers pour mettre courage sur eux. Mais, n'a pas rappelé, eh bien, RNDDH qui c'est réseau national qui défend droit moun li même dans moins que 24 heures il te fait connait gain 8 policiers qui mourir selon rapport et de 1er janvier rivé dans date que nous est là dans l'année 2021 là eh bien plus passé 33 policiers perdu la vie et yo pas mourir dans l'autre condition c'est gang armé qui tuer policiers ça yo. Ça veut dire la police a eh bien li manqué en bagaille, manqué structure en dans la police là puisque c'est bandi qui voulait contrôler commissariat au Kounia, la police pas ka riposter, bandi gen pi gros am que la police même si policier ou même bien entraîné eh bien gen yon certaine bagaille que ou même yo manqué. En tout cas, n'espérez problème ça lui-même, li résoudre au plus vite que possible pour la police à lui-même, li capable de travailler et faire mission li qui s'est protégé ak servi. L'autre information que nous pote pour là, eh bien, plusieurs kits alimentaires, l'église de Dieu, lieu de vérité dans Matisse, ou même pote by victime, eh bien, qui ou même a passé misère en dans centre sportif Carrefour et puis sous place Fontamara 43. Nous connaissons victimes ça ont quitté la caillou depuis plus passé 2 semaines. Yo dans la rue, yo pas gain ni rad pour mettre sur ni manger pour manger chaque jour. C'est chaque et bien monde qui gain un petit moyen bien partager ensemble avec monde ça yo. Et bien une responsable l'église ça lui-même lui critiquer comportement autorité. On a parlé de mettre Saint-Val lui-même qui dit autorité ou même c'est autorité qui irresponsable que au même lui ou pas prend responsabilité ou même puisque Jean bandit ou même à l'aise et bien ou te doué et bien monsieur nous t'es capable dit Claude Joseph lui-même t'es capable passer l'ordre pour tout le monde rentrer la caillou et c'est pas seulement dit moun rentrer la caillou et bien c'est mettre bandi yo nan état pour pas ka ni moun encore soit ou mouri soit et bien ou même y a la prison et bien ça li même qui pas jamais fait et qui est capable payer conséquence c'est si population li même qui a passé misère dans centre sportif Carrefour ensemble avec place Fontamara 43. Et bien dernière information que nous pote pour la qui gen rapport ensemble avec coronavirus qui a saccagé gros chabrak dans la coupe pays d'Haïti. Et bien l'ONA Office National Assurance Vieillesse après elle était fini perdu directeur qui c'est Chesnel Pierre dans coronavirus. Et bien directeur administratif ONA Jean-Richard Pira lui-même li joine l'amoli. Et bien
sa nouvel sa li men te konfirme par directeur AI ONA Jim Lee Mac Jean-Baptiste même qui te konfirme information sa qui fait qu'on est directeur administratif la Jean-Richard Pira li même li jwenn nan mòl il te testé positif à coronavirus li t'ap pran soin nan l'hôpital université Mirbalea bien ap rapli Jean-Richard Pira li même son monsieur marié qui gen 3 petites et li mouri à l'âge de 56 ans c'est ça que fait mandé population li même pour lui toujours respecter barrières sanitaires parce que corona toujours là et gen plusieurs variantes coronavirus dans la cour pays d'Haïti. Et bien c'est là tout, nous mettons au bout avec série information nous. Merci à vous-même qui t'ai prêté nos attention avec fidélité. Nous casser rendez-vous très prochainement pour une autre série information vraiment intéressant et n'a invité vous. Abonnez à la chaîne là, activez la cloche notification comme ça vous pas perdre même yo ta dans série information n'a bien pour poter pour encore.